Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté qui l'a, nous pral regarder, nous pral tendre vidéo ça. Non pas c'est Wendy Fell, petite bon Dieu, ça avec un pile plaisir, un pile l'amour comme d'habitude, malgré toute tête chargée, nous connaît qui gagne dans pays là. Moi retrouver maintenant micro ça, moi porter une autre vidéo d'information pour nous. Chiffio commencer senti dit mesdames et messieurs. Bilan li ap alourdi. Selon on série de chiffres que Protection Civile fait publier là, il y a environ 1300 compatriotes haïtiens qui péri dans cadre tremblement de terre ça qui frappé pays d'Haïti. Nous connaît journée 14 août 2021. Qui côté qui gagne plus monde mourir, qui côté qui frappé, restez connecté, nous allons venir avec quelques détails pour un petit moment. Si hier on s'est de autorité dans le monde là pour qu'on réagisse, ben jodia il réagit. Gagne président français a Emmanuel Macron qui réagit, gagne Vladimir Poutine qui réagit, qui ça dit nous allons venir avec tout détail pour un petit moment. N'a pas quitté dossier tremblement de terre pour nous dire que Haïti est gros menace sous lui là puisque nous capable gagne possibilité là pour nous sortir d'un tremblement de terre pour nous tomber dans cyclone. OK, tremblement de terre fin passé, un pile moun perdit caillou, un pile moun mouri, ah ben demain si Dieu veut. OK. Demain ou bien mardi, il y a une possibilité là pour pays d'Haïti frappé par un cyclone qui sous la mer là qui a privé sous nous. En pile moun k'ap di c'est maudit, tessa maudit parce que nous fait trop mal etc. Est-ce que c'est vrai? Restez connecté, n'ap vin avec commentaire et analyse pour tout à l'heure. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. OPC relé en moué contre un secte de mafia qui a fonctionné dans le secteur droits humains, il dit qu'il y a un comportement qui inacceptable. OPC, voyez, on sait de nek en l'air, il n'y a pas attrapé dans le cadre réaction que le fait après juge Chanlat, t'es obligé bay dossier sa vaga parce que conseil de nèg qui dit y a défendre amou nan pays d'Haïti qui t'a commencé à maltraiter ak bouchio nan toute radio face ak menace que y a fait juge là t'es obligé démissionner OPC réagit qui ça le dit n'a vin avec un détail pour yon petit moment qui t'aime prend quelques secondes pour me capable remercier pour capable dire merci. Merci infiniment parce que vous appréciez le travail que nous avons fait jusque-là et vous montrez ça. Vous montrez ça parce que vous avez quitté un like pour nous, vous avez quitté un commentaire, vous avez partagé la vidéo. Merci infiniment. Ou même qui fait découvrir la chaîne, ça, unissons-nous. C'est là où vous avez une bonne genre d'informations sur YouTube. Là. Donc abonnez-vous, Kounia, comme ça, vous ne pouvez pas rater. Ou pas rater, mais vraiment ou pas rater prochaine vidéo que n'a bien publié pour nous publier des pour abonner ou activer cloche ou à la minute que nous postons bagay ou abjoigni. Donc merci infiniment mesdames et messieurs. J'ai connu ce doula gagné nouveau chiffre et qui tombé. On regarde tweet ça que Protection Civile fait dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé Protection Civile, c'est lui-même qui a collecté et chiffre pour l'État. Ça qui a rapport avec catastrophe naturelle, etc. Bilan désormais passé à 1297 morts. Ok, il y a 1297 moun compatriotes haïtiens qui périt dans le cas de tremblement de terre ça qui saccage le pays d'Haïti, journée 14 août 2021. Parmi moun sa, il y a 1054 qui sortit dans le sud du pays, il y a 122 qui sortit dans les NIP, il y a 119 qui sortit dans la Grandance, et puis il y a 2 qui sortit dans le Nord-Ouest. C'est ça, Protection Civile lui-même li fait. Qu'on est. Entendez une conférence de presse que l'autorité tabay détail sous effort qu'a fait justement et pour yo capable aider moun ki victime yo. Entendez puis n'a pas retourné puisque n'pral parler de République Dominicaine qui voyait aide dans pays d'Haïti et nous pral faire petit commentaire. Entendez autorité qui t'a parlé encore n'a dit nous merci pour patience le fait que nous toujours été là mobilisé pour nous capable porter information aller. Nous connaissons que hier,
Premier ministre avec l'équipe gouvernementale a fait un survol de Grand Sud là, non mission. Mais je dis, c'est une mission de terrain. Côté des dessins, il est allé faire plusieurs visites, faire plusieurs rencontres. Et qui disposition, qui caprend, qui recommandation, qui consigne, qui ça a fait de façon concrète, c'est ça, Premier ministre là, avec toute équipe là, tu as regardé pour qui j'ai pour planifier aide, secours. Mais avant de passer parole là-bas, Premier ministre, là, nous avons invité encore le directeur général de la protection civile, là, lui-même, pour venir nous update par rapport à la nouvelle jeunesse que nous vivons. Merci, M. Villefranche. Je dis bonsoir à tout le monde qui a tous les amis de la presse qui est avec nous là, pour nous capables de faire point ça. Et l'information mise à jour que nous avons, dimanche 15 août, 6h du soir, nous avons un bilan qui alourdit encore. Là, nous avons dénombré 1297 morts, au total de 1054 morts dans le sud, 119 dans la Grandance, 122 dans les NIP et 2 dans le Nord-Ouest. Dans le moment où on a parlé là, nous dénombrons tout à peu près 5700 blessés et dans différents départements que nous avons cités là. Il y a un total de 13694 cas qui sont affectés. Entre eux, on a fait des comptes pour nous connaître qui est là d'ailleurs qui détruit et qui est là d'ailleurs qui endommagé. Et ce qui fait que nous, au total, nous avons à peu près 30 000 familles qui affectées dans tous les trois et dans tous les quatre départements que nous avons cités là. Et dans le moment que nous avons parlé là, il y a des travaux qui continuent en termes de sauvetage et de secours. Nous avons un paquet d'actions qui entreprennent sur le terrain pour nous capables, gens que nous capables avec moyens que nous gagnons, porter aide et avec support à la population qui est affectée. Il y a un point qui est important avant que nous continuions par rapport à action, j'en dis, qui entreprennent dans le cadre et réponse à tremblement de terre. Le point qui est important, c'est le fait que là, pendant qu'on a parlé là, pays en vigilance jaune. Vigilance jaune, c'est par rapport à la situation météorologique, là, gens que nous connaissons là, tempête tropicale Elsa, et tempête tropicale Grace, excusez-moi, qui là, qu'on a là, rétrogradé en dépression tropicale, a menacé le pays d'Haïti. Au moment où on a parlé là, il fait passer sous l'île Porto Rico, li dans la mer et li pral rive sous et territoire République Dominicaine. Donc nous même en Haïti, nous capables probablement et sous influence senti effet yo probablement demain pendant journée demain lundi hein, et dans certains côtés yo attendre que nous capables gagner gros l'appui, gros coup de vent et gagner des côtés même que justement nous capables gagner une accumulation de l'appui qui entre 75 à 100 mm de l'eau. Ça veut dire tout simplement que à partir de quantité de l'eau ça, saturation sol là a privé, ça veut dire que terre a pas bien côté pour prendre l'eau encore, l'eau après le couler et li capable faire que rivière vienne en couille et li capable poser tout l'autre danger que nous connaît qui qu'on associé avec situation ça yo quand coup déboulonnement de terre, quand coup glissement de terrain, déboulonnement de terre que nous le glissement de terrain, quand coup justement inondation éclair et tout l'autre danger qui qu'a présenté. Donc n'a demandé tout le monde rester vigilant, n'a continuer faire monitoring avec une unité hydrométéorologie UHM qui c'est autorité dans question météo dans pays et continuer faire monitoring et transmettre information sous évolution dépression tropicale Grace qui lui-même capable j'en dit tout à l'heure là atteindre côte pays d'Haïti atteindre pays d'Haïti lui-même demain. Et pour revenir à tremblement de terre là, nous connaît que nous t'ai gagné l'arrivé le samedi matin, mais depuis lors nous enregistré plusieurs ça les secousses et qui viennent faites par la suite et secousses ça et yo varié gagné qui allait à des magnitudes de 4.5 jusqu'à 5, ce qui est quand même assez violent et dans ce sens ça n'a demandé tout le monde toujours pour rester vigilant. Et en termes d'action de réponse, nous capable et c'est ça qui est intéressant dans tout ça qu'a fait là, nous grand pile travail que nous fait dans niveau centre opération d'urgence nationale là sous l'aide Premier ministre, là, avec présence toute ministre, toute agence qui travaille avec nous, tous partenaires nationaux et internationaux qui autour de nous dans centre d'opération d'urgence nationale, nous mettons ensemble pour nous voir qui moyens nous gagnons, pour nous voir comment tout nous avons utilisé moyens de manière efficace en façon pour nous capables le plus vite possible porter aide avec support by frère nous assurons qui en danger qui est en difficulté dans le département et grand sud pays. Donc là déjà nous capables de dire que aujourd'hui nous réussissons faire convoi
humanitaire yo dérapé, yo passé par route nationale numéro 2 et nous gagné des convois qui rivaient déjà dans ville locale, moi capable citer nous même en Faes qui rivaient justement et dans ville locale, nous gagné des autres convois humanitaires de protection civile avec partenaires yo qui yo même tout rivé. Donc là qu'on est là, c'est entité que nous gagnons qui localement qui là yo qui pral prend charge pour yo capable justement coordonner distribution aide là et justement assistance à la population qui gagne pour fait. Faut noter tout que un gros travail qui a fait tout dans secteur santé dans San Relé et dans San Relé cluster santé parce que gagne tout un travail qui un gros impact qui fait sur secteur ça, gagne l'hôpital qui était atteint, gagne l'hôpital qui côté qui gagne en pile afflux victime, mais entre-temps faut nous dire que en dans secteur ça, tout acteur yo mettait tête ensemble dans département pour yo capable fournir appui et yo organiser pour que patients qui plus grave yo réussi faire des évacuations, grand pile évacuation qui fait pendant journée aujourd'hui, on a gagne un bilan chiffré de justement de nombre d'évacuation ça yo, gagne tout matériel médical qui que nous voyons aller justement dans les zones qui affectent eux et surtout personnel médical qui justement après aller en renfort avec justement zones qui affectent eux. C'est sûr que il y a des petits problèmes que nous confrontons qui rendent l'opération difficile et qui banon certains retards, par exemple à cause de répliques, tu as des routes qui étaient bloquées. Donc là il y a grand pile travail qui fait pour débloquer routes donc pour permettre nous et permettre équipe à faire sauvetage arriver sur place. Donc n'a demandé tout le monde que et pour continuer qu'embe FM patient nous même n'a continuer travail tout d'arrache-pied pour nous capable faire et aide l'arrivée pour nous capable faire et secours arriver et pour travail de opération de réponse capable faire. Pour finir, m'vle attirer attention tout et voyons un gros coup de chapeau à tout partenaire nous dans étrangers qui eux même vini spontanément vini offrir aide yo, vini offrir support yo et n'a parlé de plusieurs gouvernements, plusieurs grandes agences qui eux même yo vini et yo gagne des équipes qui ont déplacé qui porter aide là. La protection civile a organisé justement pour recevoir aide là et pour que aide la parité justement pour nous rapidement nous capable faire ça gain pour faire et j'aime de dit à la venir en support à frais nous à ce nous qui n'a difficulté. Donc pour le moment c'est la point ça que nous y est, OK, dans évolution et n'a dit réponse et par rapport à tremblement de terre là, moi le passer connait by Paul qui lui-même va introduire président comité national là. Avant nous introduire premier ministre, nous voulons signaler que télévision nationale en direct et puis depuis les cas nous gain radio Télémakaya et qui branche puis tout l'autre amis qui sur réseaux sociaux yo qui peut transmettre et conférence ça qui peut point de presse ça jodi a nous dit merci et nous voulons tout remercier et l'un qui fait par rapport à ça nous même dans ministère culture communication nous toujours prôner que la communication inclusive et c'est ça fait jodi a nous ensemble avec interprète des langues et des signes. Nous voulons signaler ça, c'est à travers l'Institut haïtien des langues et des signes qui volontairement viennent pour te coller dans le mouvement ça pour nous capables permettre tout le monde d'intégrer dans l'information qu'on a baillé. Donc c'est ça, nous-mêmes, communication inclusive en dans le ministère culture et communication. Et c'est comme ça, m'a tout invité le Premier ministre lui-même pour venir parler avec nous, pour dire nous comment mission de terrain ça a été pour aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Jodi an, gen kek ministres avec mon cabinet yo qui était ici dans pour coordonner effort qu'a fait pour répondre à tremblement de terre, effet tremblement de terre. Moi-même avec plusieurs autres ministres, nous t'est allé dans le sud. Les arrivés dans le sud, nous constater des dégâts. Nous constater un pile caille qui tombait, nous constater même des efforts qui a fait pour retirer moun en bas des combres et gagne bagaille nous observer et que nous t'avle partager avec nous. Une bagaille que nous observer c'est tout d'abord c'est dignité moun yo. Dans la peine, dans la souffrance, moun yo était très digne. Moun yo était triste. Mais dit, bon, l'autre bail que moi-même que m'observer sur le terrain, c'est que moun yo affecté, mais gon grande résilience, moun yo a goumen pour sorti. Et m'a raconté nous deux histoires. M'rivé nous camper, n'a regardé un kay qui aplati tout. Li aplati et nous est propriété kailan yo deux yo très triste.
Mesdames et messieurs, nous t'attendez autorité qui t'a bail détail sur effort qu'a fait pour capable porter aide à moun qui en difficulté. Mesdames et messieurs, en pile moun, en pile haïtien qui semblait à ignorer dégâts hein, niveau dégâts tremblement de terre ça et même li fait dans le pays d'Haïti. Tout simplement parce que c'est pas Port-au-Prince ou bien yo pas tendé à parler de 10 000 morts etc. Il y a des zones qui touchaient là jusqu'à maintenant. Moun kap vive dans zone ça pour une autorité, pour un moun qui a mandé yo qui ça gagne. Pays a vraiment frappé. Et heureusement on dit heureusement c'est pas Port-au-Prince qui frappé dans niveau ça parce que si c'est Port-au-Prince qui frappé dans niveau ça dans niveau tremblement de ça passé là hier en vérité c'est une catastrophe nous t'en le premier ministre a parlé de plusieurs pays un pays étranger qui a essayé et porter aide pour Haïti. Et oui, c'est confirmé. Par exemple, en République dominicaine, nous avons la présidence de la République dominicaine sous page à Twitter. Ils ont publié en pile qui a un rapport avec Haïti. Par exemple, là, si nous regardons les tweets, ça, nous capable ouais, ils ont annoncé que ils ont envoyé environ 60 000 livres. Un aide by pays d'Haïti hein pour moun qui sinistré yo et là par exemple yo montre yo nan aéroport international Toussaint Louverture côté Haïti a recevoir aide yo etc. donc République dominicaine on capable garder vidéo ça donc a venir mais chaque fois bah ça au passé et puis pour nous même l'état pays n'ont pas qu'à répondre à qui au minimum ça yo vinn fait une pipiti toujours à l'échelle internationale. Par exemple le map gardé et pour pigo chef pays qui c'est premier ministre Ariel Henry Jodia déplacé pour aller sur le terrain la superviser zone qui sinistré yo c'est République Dominicaine oui qui bal yon ou li avion parce que pays a bagay avion on comprend pays a bagay avion c'est République Dominicaine qui oblige bal yon ou li avion c'est, franchement c'est terrible comme si là pour Haïti ça na bataille là bon de toute façon c'est nous craser pays à un niveau ça qui fait en vérité je dis à là nous avons tout calte problème et nous insignifiant. En tout cas, République Dominicaine a aidé, gagne Chili qui a annoncé que yo même tout a aidé. D'ailleurs, gagne yon avion militaire chilien qui supposait débarquer dans le pays d'Haïti demain là avec yon quantité aide. Donc, n'a pas comprendre. N'a pas tant. Gagne la Russie qui parlait et Vladimir Poutine, mesdames et messieurs, voyez, condoléances lui à que. Premier ministre Ariel Henry, bon, apparemment, il était parlé et Vladimir Poutine dit lui partager chagrin peuple haïtien et précisément si la yo qui perdit yon membre de famille, yon zami à cause de terrible tremblement de terre ça. Gen Emmanuel Macron, président français qui a lui-même tout parlé puisque depuis hier pas de jam réagi sous ça qui a passé dans le pays d'Haïti. On regarde tweet ça que le fait, il écrit après le séisme meurtrier en Haïti, nos pensées vont vers celles et ceux qui ont perdu un proche, qui ont vu leurs habitants une part de leur vie s'effondrer. La France continuera d'être aux côtés de Haïti et de son peuple et se tient prête à apporter son soutien. C'est ça, Emmanuel Macron, lui-même, que nous connaissons, les États-Unis d'Amérique, lui-même, lui déjà à Théala, puisque USAID a aidé et a voué Moon sur le terrain pour prendre Moon dans le sud, qui a un problème, qui va rejoindre l'hôpital l'autre bois, transporter par avion dans la zone métropolitaine PIA pour qui ça, il est capable de faire avec.
En tout cas, nous avons un problème. Genre que nous avons dit dans le commencement de la vidéo, pas oublier. Demain, si Dieu veut, nous avons une possibilité pour gagner un gros appui sur Haïti, puisque nous avons ouragan ça qui a avancé sur Haïti. Nous espérons que il n'a pas passé sur Haïti, non niveau qui est élevé, mesdames et messieurs, pour que, bon, en tout cas, nous pas espérer dégâts faits dans le pays d'Haïti. Et parce que nous vraiment pas capables, les amis. Nous vraiment pas capables. Okay? Pour politiciens à secouer nous et puis pour la nature à secouer nous encore, en vérité, c'est difficile. Nous avons quitté le dossier tremblement de terre pour nous capables de parler de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, on est le président Jovenel Moïse qui a plus passé un mois depuis qu'il a été assassiné la Kaeli. Il y a une folie pouvoir dans le pays d'Haïti qui n'a pas de cas 7 février 2022 assassiné le président Jovenel Moïse parce que monsieur était dérangé et au pavé à l'élection en plus. Et nous connaissons depuis après assassinat président, c'est pas des paroles en pile qui gagnent dans la mesure où jusqu'à maintenant, pas des monde qui j'en connais qui est ce qui était à la base de tout ça. Parce que les gens qui ont arrêté, c'est des gens qui exécutaient un plan qui était élaboré, mais qui sont qui finançaient le plan, qui est-ce qui est en tête un plan ça, en pile question à poser, et jusqu'à maintenant, le dossier, l'IPO quand même trouver le devant la justice. Donc, on est, doit un tribunal première instance pour le prince lent, t'as cherché juge, t'as couché un fou, chaque juge, il était checké, il était pratiquement refusé, prendre un dossier ça. Finalement, il y a un juge Chanlat qui te prend un dossier ça, et immédiatement, juge Chanlat te prend un dossier ça. Nous, ouais, comment on sait de neg qui pas de lire Jovenel Moïse, et t'as attaqué juge là, parmi moun sa, capable de citer par exemple Samuel Madistin, par exemple citoyen Sac dans tête RNDDH, en parler de Pierre Espérance. Nous voyons comment il a commencé à assassiner juge là dans radio ak bouche. Ben, finalement sous pression puisque moun zo des moun qui puissant, juge là t'est obligé remettre dossier de la remel. Ben il y a OPC, Office de la protection du citoyen qui réagit. Qui ça OPC lui-même liti. On dit notre sabou que vous regardez sur écran. L'Office de la protection du citoyen, institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits humains, exprime son inquiétude et sa vive préoccupation suite au départ du magistrat instructeur, le juge Mathieu Chanlat, désigné par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, en date du 6 août dernier pour travailler sur le dossier de l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse survenu le 7 juillet 2021. Un bon créole OPC qui sont institutions nationales indépendantes qui a fait promotion et droit à moun apé d'aïe. Dit, li exprimer inquiétude li et à préoccupation surtout le li gade comment juge Mathieu Chanlat hein, qui c'est un magistrat instructeur que droit un tribunal pour instance pour le prince Maître Bernard Saint-Ville t'est désigné en date du 6 août dernier pour être capable de travailler sous dossier qui a rapport avec assassinat président Jovenel Moïse qui était fait le 7 juillet 2021. Donc OPC dit li inquiet et li préoccupé par décision ça que magistrat prend pour que li déporte le de dossier ça. L'OPC note que le juge Chanlat s'est déporté suite à la montée d'une campagne de dénigrement ponctuée d'invectives orchestrées contre sa personne par des individus se faisant passer malheureusement pour des défenseurs de droits humains. Qui plus est, le premier ministre provisoire, Dr. Ariel Henry, a affiché un comportement suspect dans le dossier à travers cette déclaration publique jugée malsaine et inappropriée, faisant croire que des individus arrêtés par la police n'ont pas la capacité de commettre un tel crime. Entendons par là de tuer le président Jovenel Moïse. L'OPC, en bon créole, dit l'inoté que juge Chanlat a dépoté le de dossier ça après monter une campagne de dénigrement que onse de nèg a lancé contre lui. Et nèg sa yo, c'est des moun qui fait être passé malheureusement pour des moun qui défendent droit moun dans le pays d'Haïti. Et puis, il y a ajouté également premier ministre provisoire, Dr. Ariel Henry, lui-même tout a affiché un comportement suspect dans le dossier à travers une série de déclarations publiques malsaines que l'IT fait, des déclarations que l'OPC que OPC jugeait inappropriées. Côté premier ministre, c'est fait qu'on est que moun sa yo arrêté ou bien qu'il est moun yo arrêté là, qui n'a pas une capacité pour commettre un tel crime, ça veut dire tout y est président.
Avec le départ du juge Mathieu Chanlotte, les partisans de l'impunité, de la violence et du carreau n'ont qu'une victoire à la Pyrrhus. Car la défaite du droit est toujours éphémère, dit-on souvent. L'OPC réaffirme sa position en faveur de la création d'une commission spéciale par les Nations Unies devant assister les autorités judiciaires sur l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse au fin d'identifier et de poursuivre les commanditaires, les auteurs intellectuels et matériels de ce crime révoltant. OPC réaffirme l'opposition que le Téguin avant. Nous songez, OPC t'a demandé pour que une commission spéciale que les Nations Unies aient créée pour venir faire enquête pour comment ils sont capables de jouer un monde qui, à la base de ce qui passé, Jovenel Moïse. Là. Ah ben, il dit réaffirmer position là, il demandé pour que une enquête, une commission internationale qui crée sous le dossier Jovenel Moïse, là, pour comment ils sont capables d'accompagner la justice dans le pays d'Haïti. En tout cas, moi, je ne peux pas ajouter rien. Je prête là, je dis nous, rendez-vous plus tard pour une autre vidéo d'information. Je vous aime.